La migration est un événement naturel qui conduit un grand nombre d'animaux de la même espèce à se déplacer, souvent sur de longues distances, à une période de l'année ou de leur vie, et de revenir au point de départ. Les éléments déclenchant la migration et ceux permettant aux animaux de s'orienter sont encore mal connus. Mais on sait que la raréfaction de nourriture, d'eau ou de chaleur, ainsi que le besoin de se reproduire dans des endroits propices, sont des éléments déclencheurs. La migration permet aussi la sélection naturelle. Les animaux faibles et les plus âgés sont des proies plus faciles pour les prédateurs. Ils ne parviendront donc pas à destination et ne pourront pas se reproduire. Ainsi, seuls les plus vigoureux pourront transmettre leurs gènes. Ce ne sont pas seulement les oiseaux qui migrent, mais parmi les insectes, poissons, amphibiens, reptiles et mammifères, il y a aussi des migrateurs. Il faut dire, cependant, que chez les mammifères, il y a peu d'espèces migratrices, car la marche est un moyen de locomotion lent et coûteux en énergie. Il est beaucoup plus aisé de se déplacer, porté par les courants marins ou aériens. Chez les mammifères terrestres, ce sont essentiellement les herbivores qui migrent, les caribous et les bisons en Amérique du Nord, et les zèbres et les gnous en Afrique de l'Est. Rendons-nous maintenant en Afrique de l'Est, dans les immenses plaines herbeuses qui couvrent le nord de la Tanzanie et le sud du Kenya, pour suivre la migration des gnous. Entre janvier et mars, les troupeaux de gnous sont concentrés au sud du parc national du Serengeti, dans la région de Ndutu. C'est la période des naissances. Entre les mois d'avril et de juin, c'est la saison des grandes pluies, et les gnous, suivis des zèbres et de nombreuses antilopes à court de pâturage, se déplacent vers le nord du Serengeti. Entre juillet et septembre, c'est la saison sèche qui commence à clairsemer l'herbe des prairies du Serengeti. La migration continue vers le nord pour rejoindre les pâturages verts de la réserve du Masai Mara au Kenya, nécessitant la traversée des rivières Grumeti et Mara. À partir de la fin octobre et jusqu'au mois de décembre, intervient la migration descendante. Les gnous quittent le Masai Mara avec l'arrivée des petites pluies dans le Serengeti, qui annonce une herbe tendre. Fin novembre, les bêtes sont à nouveau dans le sud du parc national près de Ndutu et le cycle peut recommencer. Comme ce phénomène dépend des conditions climatiques, de gros écarts peuvent apparaître et les prévisions précises ne sont pas possibles. Dans la région de Ndutu en février, les gnous sont dispersés sur d'immenses surfaces et sont regroupés par famille avec leurs petits, formant des troupeaux de familles encore modestes. Cette situation est favorable aux prédateurs qui rôdent aux abords de ces petits regroupements. Nous avons pu observer une scène assez cocasse où un groupe de jeunes lions avait tué un gnou pendant la nuit
et s'était largement rassasié. Au petit matin, ils se reposaient à proximité, délaissant leur proie. Cette aubaine faisait le bonheur des charognards, tels que les marabouts et les vautours. Un lion les chasse, puis déplace la proie. Entre-temps, les charognards avaient trouvé l'estomac du gnou qu'ils dévoraient. Le lion ne l'entendit pas de cette oreille, chassa à nouveau les vautours et tenta d'enterrer l'estomac. Pendant ce temps, une hyène essaya de dérober la proie. Celle-ci se fit également chasser par le lion qui redéplaça sa proie et s'endormit à côté pour la surveiller. Le lion n'est pas généreux. Il se comporte comme la cigale de la fable. Je m'appelle Nyumbu. Je suis né en février dans la région de Ndutu, dans le sud du Serengeti. En février, il pleut souvent, pas toute la journée, mais tous les jours un peu. Alors vous pensez si l'herbe est belle, verte et tendre? Même si l'herbe est bonne ici, mes parents gnous bougent toujours. Ils ne restent pas longtemps à la même place et broutent en marchant. Moi, je ne mange pas encore d'herbe, je tète ma maman. Alors heureusement que 15 minutes après ma naissance, je suis déjà capable de courir. Comme ça, je peux lui courir après pour téter. Je ne vis pas seule avec mes parents. On est très très nombreux, des centaines de milliers, et on forme un troupeau. Je suis fils unique, mais j'ai beaucoup de cousins et cousines, de tantes, d'oncles, de copains et tous mes grands-parents. Mon papa a plusieurs femmes, ce sont des tantes pour moi. Donc, on a une très grande famille dans le troupeau. Le troupeau bouge toujours et nous, les petits, on se trouve au centre. Tout autour de moi, il y a des copains de mon âge avec leur maman, puis d'autres adultes. C'est bien, comme ça on est protégé des prédateurs. Les lions, les guépards, les léopards, et les hyènes rôdent autour de nous. Les pires, ce sont les hyènes. Je les déteste. Elles me font peur avec leurs cris si vilains. Elles nous guettent toujours sans avoir l'air de s'intéresser à nous, puis elles attaquent. Je n'ai pas que des copains gnous. Il y a aussi des zèbres et des gazelles. J'aime bien les zèbres. Ils sont rigolos. On dirait des chevaux avec un habit de prisonnier rayé noir et blanc. Il y a deux choses qui m'énervent dans le troupeau. Ce sont les mouches et les papas qui se battent souvent. Quand je les vois se battre, alors je pars plus loin pour ne pas me faire piétiner. Mais les mouches m'agacent tellement, ma maman m'a montré que je peux les chasser en bougeant la queue. C'est pas toujours efficace, alors je sautille. Ces mouches s'appellent des tsetse. Elles donnent la maladie du sommeil quand elles piquent les humains. Car nous, heureusement, on risque rien. On est immunisés. J'aime bien les plaines de Ndutu, où je suis née. C'est joli, il y a des petits lacs, des beaux acacias et des tas de buissons. Mais depuis quelques semaines, les pluies ont cessé et l'herbe est de plus en plus jaune et sèche. Ma maman m'a dit qu'on allait partir d'ici pour aller vers le nord, car il n'y a plus assez de nourriture et qu'au nord, il y a des pluies et l'herbe est tendre. Maintenant, je suis plus grand et je sais courir vite et marcher longtemps, alors je ne me fais pas trop de soucis pour commencer la migration. Ah. 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 Ah.
Les graminées, qui sont la pitance exclusive des gnous, poussent par le bas, de sorte qu'elles ne sont pas affectées par le broutage. Au contraire, brouter favorise la repousse et les bouses de gnous apportent l'azote nécessaire pour leur croissance. En séchant, les graminées perdent leurs protéines et sont donc moins nutritives. Comme les protéines sont indispensables à la gestation et à l'allaitement, les troupeaux migrent pour trouver des pousses tendres riches en protéines. Le chacal à chabrac mange presque toutes les proies de sa taille qu'il rencontre. C'est l'environnement qui détermine en partie son régime alimentaire. Dans le Serengeti, l'essentiel de son régime est constitué par des petites gazelles, des lézards et des bousiers, ces insectes qui se nourrissent d'excréments d'herbivores. Il y consomme très rarement des charognes. En principe, ces chacals évitent les hyènes. Néanmoins, ils se sentent suffisamment vifs et agiles pour venir grappiller des morceaux sur une carcasse. Il faut dire qu'à ce moment-là, les hyènes sont totalement absorbées par le souci d'avaler le plus de viande possible. On pourrait s'attendre à des conflits, mais en fait, chaque animal ne pense qu'à engouffrer un maximum de nourriture. L'Afrique de l'Est a ses éboueurs patentés. Les carcasses ne restent jamais délaissées longtemps. Les vautours africains, les vautours charognards, les vautours de Ruppel, où les vautours oricou se chargent de débarrasser les cadavres de toute trace de viande, abandonnant le squelette au dessèchement du soleil. Au début du printemps, les gnous mâles constituent des harems de plusieurs dizaines de femelles en rute qu'ils protègent contre les ardeurs d'autres mâles, ce qui donne lieu à de nombreux affrontements. Les célibataires vaincus sont rejetés à la périphérie des troupeaux, là où ils sont le plus à la merci des prédateurs. Ces groupes familiaux convergent en mars en d'immenses troupeaux, comptant des dizaines de milliers d'individus, pour entamer la migration. La grande migration avance alors en un gigantesque troupeau qu'aucun obstacle n'arrête. Pas même les lacs au risque de s'enliser, pas même les rivières qui sont traversées sans tenir compte des crocodiles, des berges escarpées ou des rocheux casseurs de pattes. We'll be right back.
considère que 10% des quelque 2 millions de gnous succombent alors dans la migration. Parmi les prédateurs qui rôdent autour des troupeaux de gnous, tels que les lions, les léopards, les hyènes, les guépards, c'est ce dernier qui est certainement le moins dangereux. En effet, un guépard solitaire n'est pas assez fort pour tuer un gnou adulte, et cet individu-là l'a bien compris. C'est pour cela qu'il préfère marquer son territoire et suivre quelques gazelles de Thompson. La rivière Mara prend sa source dans l'ouest du Kenya, sur la faille de Mau, à près de 3800 mètres d'altitude. Elle est formée par la confluence des rivières Amara et Angores. Elle parcourt 395 km à travers le sud du Kenya et le nord de la Tanzanie pour se déverser dans le lac Victoria. Sur son parcours, elle est flanquée de forêts glaciaires, de marais saisonniers et de plaines herbeuses. Le bassin de la rivière Mara est un écosystème d'une très grande richesse qui abrite une des faunes les plus diverses au monde. La rivière proprement dite étant le biotope exclusif pour d'immenses populations d'hippopotames, de crocodiles du Nil et une multitude d'oiseaux. Le crossing, c'est ainsi que l'on nomme le passage des rivières Grumeti et Mara. C'est un court moment dans les 9 mois de transhumance, mais ce sont des heures cruciales. Ces passages de rivières sont une aubaine pour les crocodiles du Nil qui attendent ce moment depuis des semaines. Forts de leurs 4 à 500 kilos et de leurs 3 à 5 mètres, ils n'offrent aucune chance aux gnous qui pèsent au maximum 200 kilos. La technique de chasse est toujours la même. Le crocodile plante ses crocs et ne lâche plus prise jusqu'à ce que l'herbivore épuisé se noie. Il faut dire que la pression de la mâchoire est de l'ordre de 40 kg par centimètre carré. Le crossing est donc l'agape de l'année,
permettant aux crocodiles du Nil de tenir pendant des mois sans se nourrir. Toutefois, les gnous sont sauvés par leur nombre. Ils sont tellement nombreux que les crocodiles ne savent plus où donner des crocs. Une fois le gnou noyé, les sauriens se battent entre eux pour le dévorer, ce qui peut durer quelques heures. Rassasiés, ces reptiles sortent alors de l'eau et entament une longue sieste. La rivière Mara n'abrite pas que des crocodiles, mais une importante population d'hippopotames y prospère. Il faut dire que malgré le fait qu'ils sont très territoriaux, ils ne présentent pas un danger pour les gnous lors de leur crossing. Les hippopotames sont des mammifères herbivores et amphibiens. Ils passent la journée dans l'eau pour se protéger du soleil et sortent la nuit pour brouter des graminées. C'est grâce à leurs lèvres cornées et non pas à leurs dents qu'ils arrachent l'herbe pour se nourrir. Lors de ces séances de broutage, ils peuvent parcourir jusqu'à 10 km. Les hippopotames vivent en groupe d'une vingtaine d'individus, dominés par un mâle polygame et très irascible. La hiérarchie est stricte et les bagarres courantes. Lors de ces affrontements, qui mènent rarement à la mort, de l'un des protagonistes, les mâles ouvrent leur gueule à 180 degrés, révélant des défenses en ivoire de plus de 50 cm de long. Dans les lieux de crossing connus, les crocodiles du Nil sont nombreux à attendre leur pitance. Un groupe d'une dizaine de gnous suit un leader qui cherche l'endroit le plus approprié au passage, en semblant ignorer le danger que représentent les crocodiles. Il s'élance malgré le danger et le fort courant. Et heureusement, tous les gnous arriveront sur l'autre berge. Cette scène n'a pas échappé à une importante troupe de topis. Les topis, appelés aussi damalisques, sont des antilopes herbivores parmi les plus rapides, puisqu'elles peuvent atteindre jusqu'à 75 km/h en moyenne, avec des pointes à 95 km/h.
Encouragés par le franchissement du Mara par les gnous, les topis descendent sur la berge. Et brusquement, pour une raison incompréhensible, ils rebroussent chemin en courant se réfugier dans les hautes herbes. Où ils sont rejoints par des zèbres. Malgré le manque de pâture dans le nord du Serengeti, la vie animale reste encore bien animée. En soirée, on peut même observer le timide chat sauvage africain. Nous pénétrons dans la réserve du Masai Mara par le Holo Holo Gate. L'herbe semble un peu plus verte, mais par endroits seulement. Nous sommes accueillis par des oies d'Égypte qui paradent et par une horde électrique de mangoustes rayées. Recherche des troupeaux de gnous, nous tombons sur un groupe de 7 lionnes qui avaient tué un zèbre peu de temps avant notre arrivée. Les lionnes sont affairées à manger un maximum puisqu'elles doivent consommer près de 5 kg de viande par jour. Cette proie, c'est elle qui l'ont chassée. Comme toutes les troupes de lionnes, elles font partie d'une grande équipe dirigée par un mâle alpha. Bien qu'il n'ait pas participé à la chasse, le mâle dominant arrive pour obtenir sa part du butin et chasse les femelles.
Repu, il s'empare de la proie pour la cacher dans les herbes et s'éloignera des femelles pour une sieste, non sans avoir marqué son territoire. Non loin de la rivière Mara, des gnous traversent un petit affluent près d'une carcasse vieille de plusieurs jours. Saurien amphibie, le varan du Nil est un carnivore opportuniste très vorace qui mange tout ce qu'il trouve, œufs d'hiver et en particulier œufs de crocodile, mais aussi des petits mammifères, des oiseaux, des reptiles et des batraciens. Les restants de chair putréfiée sont aussi un régal pour lui. Il faut franchir le Mara par le pont Purungat pour rejoindre l'est de la réserve. Cette région est un lieu connu pour le franchissement de la rivière par les herbivores. Les immenses troupeaux de gnous en attente de passage sont accompagnés par les vautours éboueurs de la savane. La présence des immenses troupeaux de gnous fait aussi le bonheur des étourneaux caranculés. Ce sont des omnivores, mais leur régime alimentaire est principalement constitué d'insectes, particulièrement les criquets. Ils se nourrissent souvent des insectes délogés par la migration, se perchent souvent sur les gnous pour picorer leurs ectoparasites. Alors que les lionnes chassent normalement en groupe, celles-ci imitent la technique du lion et se cachent dans la végétation pour tendre une embuscade. Elle se consolera très vite de son insuccès. Chez les lions, il n'y a pas de période de reproduction. Les accouplements peuvent avoir lieu à n'importe quelle période de l'année. Et c'est la pénétration qui déclenche la ponte ovulaire. Les accouplements sont brefs, 30 secondes environ, et se répètent toutes les 15 minutes, et ceci pendant les 4 jours que dure la période de réceptivité de la femelle. Thank you.
Dans le Maasai Mara comme dans le Serengeti, il y a deux saisons des pluies. Celle qui dure environ 6 semaines et se produit de mars à mai est appelée la saison des longues pluies. Et celle qui dure environ 2 semaines et se produit entre octobre et décembre est appelée la saison des petites pluies. Cependant, le Serengeti, situé plus au sud, devient sec de juin à septembre, tandis que le Mara reste assez pluvieux, même en juin et septembre. Dans le Maasai Mara, il n'y a donc pas une véritable saison sèche. Aussi, les zones sont souvent inondées et les marécages y sont nombreux, ce qui attire une population importante de limicoles, d'échassiers et de cobes des marais. Le sable des berges du Mara est aussi le lieu de nidification du gravelot à triple collier. C'est un oiseau territorial qui élève 2 petits par couvée et se nourrit essentiellement d'insectes. Comme me le disait Lukasz, un guide faune polonais. Si tu as vu tout ce que tu voulais voir, alors tu as manqué beaucoup de belles observations. Il a raison. La savane arborisée et les plaines à graminées du Serengeti et du Mara abritent de multiples espèces animales au comportement fascinant. Les observateurs que nous sommes ont une vue souvent déformée du vivant, car nous sommes touchés et quelquefois heurtés par des scènes sauvages de la vie animale, mais nous devons l'être beaucoup plus par la disparition lente mais inéluctable de la biodiversité.